Bonjour, bienvenue au lab de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Vous pouvez me suivre. Donc nous sommes ici dans un espace entièrement modulable qui est dédié au travail collaboratif sur les projets numériques. Donc comme vous le voyez, on a l'équipement qu'on peut moduler à sa guise en banc ou en console. On peut travailler debout, assis, un petit peu comme on veut. Donc on va vraiment privilégier un espace où on peut échanger avec les autres, avec les acteurs de la bibliothèque, autour des projets principalement numériques. Donc nous avons par exemple ici une petite tente de numérisation qui permet d'expérimenter simplement la prise de vue de livres. Ici, on va plutôt parler du numérique parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment à partir du moment où on a une documentation numérique, on se pose pas mal de questions, on se retrouve des fois un petit peu seul, on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut exploiter cette information-là. Accéder à la connaissance maintenant, c'est à la portée d'un clic, il n'y a aucun problème, mais dès qu'on veut aller un petit peu plus loin, on se retrouve vraiment démuni, on ne sait pas à qui s'adresser. Eh bien, le lab, c'est le lieu où on peut confronter ses idées, exprimer ses doutes et peut-être trouver les astuces ou pouvoir échanger avec des bibliothécaires. Ici, nous avons l'espace détente, mais aussi justement échange sur les problèmes numériques, comme par exemple quand on ne sait pas comment réutiliser une image, quand on aimerait bien réutiliser un texte, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire du full texte dedans ou pouvoir rechercher un mot bien précis? Comment est-ce qu'on fait face à cette masse d'informations, de documentation numérique? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir justement? Quelles sont les clés, les outils ou les astuces? Donc ici peuvent se rencontrer beaucoup d'acteurs, comme par exemple un chargé de collection musicale qui peut très bien échanger avec une autre personne sur un projet, une idée. Et le fait de confronter, d'avoir des regards croisés, ça va vraiment permettre peut-être d'apporter une nouvelle lecture sur le projet et à la personne d'avancer, de donner un petit peu cette impulsion pour continuer son travail. Et si vous vous demandez le lien entre les projets Wiki et l'espace Lab, je vais vous dire, il est simple. Je m'appelle Thomas, je travaille à la bibliothèque et par ailleurs je suis contributeur. Ici, on valorise la recherche. Concrètement, on fait que le savoir soit accessible à tous en éditant des articles Wikipédia, en mettant des sources sûres et vérifiables, en ajoutant des données dans Wikidata, des enregistrements dans Lingua Libre, pour que tout un chacun puisse avoir accès à la connaissance.